What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. En train de manger moi aujourd'hui. Il est 21h40. J'ai pas beaucoup de temps. J'essaie de faire une sans jambes efficace. Donc là, j'ai peu le temps de m'échauffer. Je vais me chauffer en leg extension, leg curl. Je vais voir si je peux faire du squat. Je suis deck parce que j'ai ramené ma ceinture et mes protège genoux pour essayer de retenter de faire du squat lourd, mais là je me suis pas bien échauffé là, mais je vais voir ce que je peux faire. Comme je vais essayer de faire un exo d'échauffement et mettre du lourd pour le leg extension, et puis voilà. Sinon, toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bulk day. Parce qu'en ce moment, je suis sur plein de projets. Je fais des montages vidéo à fond. Putain, j'ai même pas compté combien j'en ai fait. Mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bulk day, tu vois. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de trucs sont en place. Et du coup, ça me prend du temps, tu vois. Ça me prend du temps, mais je vais continuer à faire les bulk day. Sachant que, je sais pas si tu suis sur Insta, mais je suis sur un projet. Projet 99. Où, pendant 99 jours, sur Insta et aussi sur YouTube Short et TikTok, je vais montrer ce que je fais. Parce que mon objectif, c'est de m'améliorer en montage vidéo. Tu vois? Et je vais te partager ça pendant 99 jours. Donc ça va être cool, ça va être dur. On va faire ça bien. Et ça va pas gêner mes bulk day, tu vois, parce que les bulk day, malheureusement, là on est dimanche, je suis obligé de les faire les week-ends, parce qu'en semaine il y a trop de gens à la salle, même le soir. Cette salle-là elle commence à être blindée trop rapidement, donc bulk day, je peux juste les faire les dimanches. Donc les dimanches, ça va être les bulk day, et le reste de la semaine, bah, je vais m'entraîner normalement à la salle sans le filmer, faire ça bien. Je me suis chauffé, j'ai mis 50, je vais faire 10 reps tranquillement, 4 séries. C'est parti. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, par contre ça je vais baisser en bas là. Parce que... Ouais voilà, ça va être mieux comme ça ici. Ça me faisait trop mal au tibia. Mais là normalement on sera bien. Je vais rester à 50 encore. Là, ça m'a pas trop fatigué. Donc je vais repartir. Une. Deux. Ouais, c'est mieux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ok. On va monter. Soixante-dix kilos. Je me repose un peu, je repars. L'idée, c'est pas de faire une séance trop longue, mais de faire ce qu'on a à faire, tu vois. Faire ce qu'on a à faire, envoyer comme on peut envoyer, mettre des charges, se faire mal. L'idée, c'est ça, le plan, c'est ça. Donc 70 kilos, et si 70, il passe, bah, je mettrai les 80, parce que ouais, la machine, elle s'arrête à 80 kilos. Je mettrai les 80 kilos, et puis voilà, on va valider. Hein. On va valider. Là, j'ai perdu 2 kilos encore. Je suis à 89 kilos. Petit rappel, j'étais à 95 kilos il y a quelques mois. Bon, il y a 6-7 mois, 95 kilos, il me semble, si je ne me trompe pas. Là, je suis très content. Même je vois au niveau des abdos, ben, ça réapparaît bien. Je suis content, je suis heureux. Même si ce n'était pas mon but, hein. Je ne voulais pas sécher. Mon but, ce n'est pas de perdre du poids, mais j'ai perdu du poids. Et on va continuer. Je contrôle juste ce que je mange. Je sais qu'on m'a demandé des vidéos sur la diète et tout. Peut-être que j'en ferai. Je ferai un bulk day vlog, on verra. Peut-être que comme j'aurai plus de temps pour les faire, peut-être que je ferai un bulk day vlog en même temps. Mais ouais, je suis très content. Je suis vraiment content d'avoir perdu du poids. Vas-y, on va envoyer. 70. Allez, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait.
C'est validé là, je mets tout, je mets 80 kilos. Ça, j'ai beaucoup de force en leg extension. Beaucoup, beaucoup de force. Ça fait plaisir. On met tout. J'ai tout mis là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ouais. Je suis dégoûté parce que j'ai un short, tu vois. Mais comme je suis venu tard, j'ai un peu le temps de le mettre. Du coup, j'ai gardé mon jogging. Ça t'aurait vu un peu les jambes. C'est que le leg day, je cache pas, j'en ai un peu skip là. Mais j'ai dit, dans ces bulk day, il y aura plus de leg day que d'autres séances. Donc on continue. On continue. Je vais en faire une dernière avec tout. Après, leg curl. Si j'ai la foi de le faire, et squat. J'ai envie de squatter là. Je me repose et on repart. Fais ça bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ok. Parfait. Le problème, c'est que le leg curl qu'il y a, c'est juste du leg curl allongé. Le leg curl assis, il est pris par quelqu'un. Et j'aime pas le leg curl allongé. Mais je vais en faire quand même peut-être une série ou deux pour faire du squat. Moi, pour moi, le meilleur exo de la séance, c'est le squat pour moi. Allez. Le leg curl allongé, j'aime pas du tout le mouvement du leg curl allongé. On va le faire quand même. J'ai retiré le micro, je l'ai mis en face de moi. Et on va se faire 10 répétitions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. On est bien. Là, je suis passé super lourd sur ça. Hein. Là, je suis à 40 kilos. Genre ça, 40 kilos. Et puis on va envoyer juste avant le squat. Je vais peut-être envoyer encore 2 ou 3 séries. Et après c'est bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. Parfait. On valide. Dernière. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok, très bien. Je suis KO. On se repose et on va au squat tranquillement. C'est ici qu'on va taper le squat. Par contre, ce qui est nul, ouais non, c'est numéroté, ça va. C'est numéroté. Je pensais que c'était pas numéroté. Parce que sinon, je n'allais jamais trouver là où je passe la barre. Ça allait être chiant. J'espère que j'aurai pas trop de douleur au genou. Je vais commencer avec 60 kilos. Allez, les poids ici sont durs à trouver. Vas-y, attends, je vais prendre des poids, je vais les mettre et j'arrive. J'ai pas trouvé les 20 kilos, donc j'ai mis 2 poids de 15. Là, on a 50 kilos en tout. Les ceintures, je les mets à l'endroit. Super. Allez. Je les mets. Enfin. Je sais pas si je mets ma ceinture maintenant ou pas. Non, je vais pas la mettre maintenant, je vais voir comment mon corps se comporte. Parce que la ceinture, c'est un gage de sécurité pour moi. Mais je sais sans. Allez. On y va. 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6,
7, allez, 8, 9, 10. Tu voyais ma tête. Quand je fais des squats, c'est incroyable. Pour l'instant, ça va. Même si tu sens que ça me fait mal quand même. 15-15. Je vais voir ce que je peux rajouter. Mais après celle-ci, on met la ceinture. Et celle-ci, je la compte. Hein. Là, je m'en tape. Là, ça fait là, c'est la première. Là. On va essayer d'en faire 3 ou 4. Deuxième, je vais mettre soit encore un 15, soit un 10. Pour mettre en confiance. Allez. Ça va, en fait, je peux lancer la caméra. Les poids, ils sont à côté. Oh. Ce qui est chiant, c'est que... Tu vois, mon fitness park, il est nouveau. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Et la semaine, c'est terminé les bulk day le soir à 20h. C'est mort, il y a trop de gens. Trop de gens. Je peux que faire le dimanche soir et le samedi soir. Mais hier, j'avais un tournage. Donc, dimanche. Hein. Dimanche. Dans tous les cas, mon abonnement fitness park, il se finit bientôt. Je retournerai à Basic Fit. Et là, je serai un peu plus tranquille. Oh. Du coup, on a 50, 60, 70. 70 kilos, ça va. Pas très lourd. 70 kilos. Je mets la ceinture. Et j'ai mes chaussettes pour les poignets, là. Chaussettes pour les genoux, pardon. Les protèges genoux. J'ai ça. J'appelle chaussettes, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai ça. Y a pas très lourd. Hein. Y a pas très lourd. C'est 70. Ça va. 8 ou 10 reps. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, ouais, 7, c'est bon, t'as 8, 8, ok. Alors, j'ai pas mal au genou, c'est très bon signe, je me sens plutôt bien dans le squat. Je me suis arrêté à 8 pour pouvoir augmenter au niveau des poids et mettre mes chaussettes pour les genoux là. Et je vais peut-être mettre mon casque et de la musique pour la série qui va arriver. Là, dix, je mets combien? Si je mets 2-10, ça va faire 90. Oh. 70. Oh. 15, j'essaie de faire 100. J'essaie de faire les 100. Là, j'ai envie, je le sens bien. Là. Je le sens bien. En plus, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de leg day. Ça fait longtemps. Je sais pas si c'est le fait de perdre du poids qui m'a fait gagner en confiance comme ça. Ou. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais je me sens bien. Sachant que j'ai bien mangé avant de venir, j'ai pas pris de pré-workout. Je me sens plutôt bien. kilos. On va faire ça bien. Sous mes chaussettes. Elles sont là.
Ouais, ça va, tu me vois bien. Ça va. D'ailleurs, je sais pas si j'ai parlé de la salle Espace Cardio. Je pense que j'en ai parlé hein, en Bulk Day. Je suis parti la tester hein, pour ceux qui suivent le Bulk Day depuis le début. J'ai testé la salle Espace Cardio. C'est la merde, les gars. J'ai jamais vu une salle aussi merdique. Vraiment. C'est incroyable. Saint-Étienne, il y a une salle qui s'appelle Espace Cardio. Faut pas aller là-bas. C'est vraiment une salle de remise en forme. C'est pas une salle de musculation. En revanche, je suis parti à la salle M-Gym. Je pense que je te l'expliquais aussi. Je pense fortement que je ferai des bulk day là-bas. C'est une dinguerie. Là-bas, c'est une vraie salle de sport. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est bon. Les chaussettes My Protein sont mises. Je remets mes chaussures. Et j'y vais. Enfin, je me repose un peu quand même. Et j'y vais. Par contre, j'ai jamais fait du squat pieds nus. Beaucoup de personnes en font et préfèrent, mais j'en ai jamais fait. Et je sais pas si j'essaye là. Parce que je n'en ai jamais fait et vas-y, j'essaye. Attends, je vais mettre mon casque. Et je vais essayer le squat pieds nus. Mais jamais fait. Hein. Je sais que Nike qui se sentent mieux parce que les pieds sont vraiment plats. Ils peuvent mettre plus lourd et tout. Mais bon. En compétition, t'es pas pieds nus. Tu vois. Allez. Par contre, si je vais sur YouTube pour mettre une musique, la pub, je vais me la manger, ça me fait chier. Ah non, c'est bon, j'ai des musiques qui sont chargées, ça va. Non, je vais pas celle-ci. Celle-ci. Toi, c'est des musiques que je connais pas, ça m'énerve. Ok, c'est pas grave. Prends celle-ci. Là, il y a 100 kilos. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je sais que ça va être dur. Mais bon, on va valider. Mais je suis fier de moi, je suis vraiment fier de moi. Je suis fier de moi, je pensais que j'allais m'arrêter à 60 et tout, mais non. Allez, comment? Hey! Hey! Une. Deux. Oh, c'est chaud. Trois. 4, je me mets à 4. 4. Ouais, c'est chaud. Oh. C'est chaud, mais je suis content. Je suis vraiment content. Dans le sens où j'ai pu me mettre en confiance pour remettre 100. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, c'est la troisième. Je pense que je vais en faire encore deux. Mais on va retirer les 15 que j'ai mis de chaque côté. Et je vais faire les deux dernières à 70. Mais ça me prouve que si je suis régulé dans mes leg day, ça me prouve que je pourrais arracher des barres de squat. Je pourrais en arracher. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc je vais bosser. Je continue à bosser. Je vais continuer à me faire mal, je vais continuer à persévérer dedans. Et ça va bien se passer. Comme je l'ai dit, les gars, il y aura plus de séances jambes que d'autres séances. C'est important. Il y aura beaucoup plus. Ça, je peux le ranger. Et ça, je viens d'apprendre que mon club de foot US, ils ont perdu en demi-finale, je crois. Ils ont perdu en demi-finale. Tout le monde est triste dans le groupe. C'est comme ça. Des victoires, des défaites. Moi, j'ai pas poursuivi ma saison en football américain.
malgré que j'ai payé ma licence. Pour des raisons que qu'ils étaient simples, hein. Je vais pas tourner par quatre chemins. J'aimais pas l'ambiance. J'aimais pas le staff. Vraiment pas le staff. Et j'avais des choix qui n'étaient pas respectés du tout, tu vois. Moi de base, comme je t'ai dit, je suis un coureur, je suis fait pour courir. J'ai montré plusieurs fois des entraînements. J'ai montré mon agressivité, elle était bonne. Et tout. Mais malheureusement. Il y a des gens qui étaient là avant, il y a des gens qui avaient ce poste avant. Et on privilégie d'abord les gens qui ont ce poste avant que les nouveaux. C'est à partir du moment qu'on voit des difficultés dans des matchs qu'on t'appelle, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Donc, là, comme j'ai dit, je lance mon projet 99. Et soit, après ce projet-là, pour la saison prochaine, soit je fais du foot US, mais là vraiment je le fais sérieusement parce que là je vais m'entraîner, je suis un vrai prépa. C'est pas je déménage, je fais du foot US en même temps, je cherche un taf et tout. Non, si tout se stabilise dans ma vie, je reprends le foot US. Si tout se stabilise pas ou c'est compliqué, c'est bancal, ben je fais un autre truc. Je voulais tester le sport, le paddle. Je sais pas si tu connais le sport de tennis là où c'est dans une espèce de cage en verre. C'est du 2 contre 2, je crois. Je voulais faire du paddle aussi, je voulais tester. D'ailleurs, je dois les contacter pour une vidéo. Et puis voilà, je voulais tester plein de choses. Je voulais tester plein d'activités, plein de secteurs. Je voulais pas me contenter juste au football ou au football américain. Je voulais vraiment tester plusieurs choses. Donc voilà, là, je suis vraiment triste pour eux. Ils sont battus. Enfin, je sais que certains membres de l'équipe, ils se battaient, ils en ont à fond. Ils voulaient vraiment gagner la finale. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça justement. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des déceptions. On fête, on rigole, on pleure et c'est comme ça. Je sais pas si je mets encore mon casque. Non, je vais pas mettre mon casque là, c'est possible. Bah là, ça fait un long point séquence. Hein. Sur cette caméra, je sais pas, la vidéo elle est faite depuis combien de temps. J'ai pas le timer. Je sais juste que c'est long. Le tournage qu'on a fait, il est long. Mais ça fera un long plan séquence. Et je repars vraiment quand j'ai envie de repartir, tu vois. Quand je sens que c'est bon, j'ai récupéré mon corps échoué, c'est bon, je repars. Et le squat en chaussettes, pour revenir sur ça, ça va, c'est pas trop mal. Ça va. Je sens pas trop la différence. Peut-être que mes chaussures, elles étaient plates, de base. Allez. Une. 2 3 4 ouais 5 ok 6 ouais 7 8 ok très bien. On va faire une dernière. On sera bon. Bah franchement, je suis content. Je ressens pas de douleur au genou. Ça, c'est très très bon signe. Vraiment bon signe pour la suite. Pour ceux qui suivent ce cas, donnez un maximum de force pour ces vidéos YouTube. Aussi, si tu me suis sur Insta, viens me suivre, viens regarder le projet 99. Dis-moi ce que tu en penses, pose des questions, pose tout. Je ferai peut-être des petites vidéos FAQ dans mon projet 99, je verrai. Soit sur YouTube, soit sur Insta, hein, je verrai ça. Parce que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment un projet que n'importe qui peut faire si tu comptes vraiment changer de vie, si tu comptes vraiment avancer dans ta vie. Si tu vois quelque chose qui ne va pas ou des choses que tu veux atteindre, bah c'est des choses qui vont vraiment t'apporter beaucoup. Et je pense être un bon facteur de motivation pour toi parce que je suis à un stade de ma vie où c'est soit je me bouge, soit c'est mort pour moi, tu vois. Donc là, je vais me bouger, je vais me donner à 345%, tu vois. Vraiment, je vais aller au bout des choses et je vais chercher ce qu'il y a à chercher. Manger ce qu'il y a à manger, boire ce qu'il y a à boire et enfiler toutes les chaussettes qu'il faut enfiler, tu vois, parce que c'est important.
Oh, je suis mort, le squat ça me fait mal, hein, mais ça me fait du bien. J'ai même envie de continuer et faire encore deux ou trois séries encore. Tu vois, il est 22h19 et ça me fait du bien d'en faire sans douleur. Ça fait vraiment du bien. Je reprends du plaisir à aimer le mouvement. Mais faut pas que j'aille trop vite. Faut pas que je brûle les étapes dans le sens où je vais me charger vite, je vais monter vite. Parce que pour rappel, je montais jusqu'à 155 kilos en squat. Et là, le fait de mettre moins de 100 kilos, faire des séries, c'est un peu dur, mais ça me fait tellement du bien de ne pas avoir de gêne, pas avoir mal. C'est une dinguerie. Je pense que l'alimentation y est pour beaucoup de choses. Le collagène aussi que j'ai pris, mon hygiène de vie qui s'est améliorée, plus mentalement. Là, c'est aussi, on va pas se mentir, mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que je suis content et reconnaissant, tu vois. Et on va continuer. On va continuer, on va pas lâcher. Allez, c'est parti. Je vais finir avec du squat, mais après je pense que je vais faire l'exercice où je tire le traîneau là à côté là. Pour pas faire que du squat non plus. Mais ouais, c'est vraiment une mini sans jambes. Allez. Hop, on fait ça bien. Une. Deux. Trois. Non, je pensais avoir mal là. Quatre. Allez. Cinq. Six. Allez. Sept. Huit. Mes prochaines séances squat, je mettrai des charges basses. Et je bosserai ma technique. Parce que là, le problème, c'est que là, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je descends mal. Je sais et je le sens parce que j'ai mal aux lombaires. Et au lieu de me fumer les lombaires à vouloir persister avec cette charge-là, mettre plus lourd, descendre mal, faire la mauvaise technique, et ben je travaille intelligemment. Ça va me frustrer parce que ce sera des charges basses. Mais on aura un très bon mouvement et on pourra mettre lourd petit à petit. Et c'est ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment. Donc là, je vais retirer mes chaussettes là pour les genoux. Puis je les ai même pas mis. Je suis assez comme ça, enfin si je les ai baissés. C'est vraiment dire que mes genoux, je ressens plus de douleur, c'est incroyable. Donc, sur le traîneau, il y a quelques poids dessus, je vais les garder. Et je vais faire quelques allers-retours à 22h27. On va se le faire peut-être pendant 10-15 minutes. Et puis voilà, on va faire ça bien. Hop. Ça, je vais le mettre là-bas. Ouais, c'est lourd là, je sais pas combien de jeunes. Ça, je vais ranger cette barre là parce que si je me la prends dans le visage, c'est terminé. C'est fini. Sachant que je rentre à pied. Là, je vais faire deux. Une deuxième retour là, c'est tout. Parce qu'ils commencent déjà à ranger là, ça. Ils respectent leur travail. Allez. Comme on a déjà fait, je le pousse. Jusqu'à la fin. Et arrivé là, et ben je le tire. Ça soulage les genoux, c'est bien. Par contre, il faut vraiment que je m'achète un filtre ND, les gars. Un filtre ND, c'est un truc que tu fous sur ton objectif. C'est comme des lunettes de soleil. Comme ça, je pourrais filmer en pleine journée avec ma caméra. C'est entre 200 ou 300 balles, je crois. Donc, et regarde la vidéo en entier. Quand tu vas dormir, laisse tourner la vidéo en entier. Ça fera du watch time. Et ça fera des sous. Parce que là, vraiment, il me faut un filtre ND. Il m'en faut un. Allez. Bon. Allez, c'est parti. Voilà, je sens que niveau ischios, ça me tire de fou. Ça me tire de fou. Ça me fait mal. Oh. Oh. Allez, t'as rien. Oui.
faire ça bien. Mais ouais, je pense que je te ferai un bulk day vlog chaque dimanche. Allez, c'est pas fini. Comme ça au moins, tout le monde sera content. Ceux qui veulent du vlog sont contents. Ceux qui veulent un bulk day seront contents. Ok. Parfait. Oh. On a fini. On est bien. Je vais revenir. Faut pas être trop loin face à la caméra. Peut-être déjà le mot de la fin parce que faut pas que je sois là non plus. Ah. Cette séance est terminée. Si t'as aimé, mets un j'aime, un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour un nouveau bulk day.